Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le petit coffret Evoli qui est une exclusivité Carrefour. Donc je vous préviens d'avance, on ne va pas ouvrir les 5 boosters qu'il y a dedans, donc on va juste voir vraiment le contenu qu'il y a dedans. Si vous voulez voir des boosters, il y a plein de chaînes qui en font. Et du coup, nous on va juste aller découvrir les goodies qui se cachent dedans, ce qui m'intéresse le plus. Donc la petite boîte, une fois déballée, se présente comme ça, tac, tac, très joli d'ailleurs, hein, les designs sont magnifiques. Et en plus, si vous êtes du genre à avoir un petit sandwich, vous avez la petite valisette qui fait vachement classe. Bon, ok, c'est plus pour les enfants, à mon avis, que pour les grands adultes. Mais je trouve quand même que le goodie est sympa au niveau de la boîte. Moi, c'est sûrement décoration après. Hop. On ouvre la boîte. Donc, ah ouais, ok. Alors, la pièce est quand même géante. Hein. Je me suis absenté pour chercher une pièce. Voici les jetons qu'on a normalement dans les tripacks. Voici celui qu'on a eu dans ce coffret. Qui est très beau d'ailleurs. On voit clairement la différence, franchement. Grosse pièce qu'ils nous mettent, vraiment sympa. Et en plus le Evoli tout joyeux, c'est sympa. Ici on a les trois cartes qui sont holo. Donc c'est des cartes de série, hein. Vous voyez, il n'y a aucun signe promo. Donc on a les trois séries, en plus c'est la même série, je ne sais plus c'est laquelle. Le bouclier comme ça, je crois que c'est du voltage, si je ne me gourre pas. Donc voilà, en holo, voilà, très sympa. Là, on a les boosters. Donc ce qu'on n'ouvrira pas avec. Donc on a un voltage, deux ultra prises, deux règnes de glace. Et puis ça c'est cadeau pour les premiers qui sont intéressés. Je vous laisse ce code promo qui est pour la validette. J'en ai deux donc bon, je vous en laisse un parce que de toute façon on n'en aura qu'un sur l'ordi. Voilà, vous l'avez vu. Donc après les cartes, on a les autocollants. Donc là on a trois autocollants, Aquali, Piroli, machin. Hop, deux grands Evoli. Plein de petits Voltali Aquali. Ici on a celui avec Piroli et Voltali en petit. Alors après on a, c'est un petit bloc-notes. Donc voilà, plutôt très sympa franchement. C'est au plaisir, hein, si vous avez toujours des trucs à écrire. J'en collectionne plein, parce qu'avec les offres de manga et que je collectionne des mangas, il y en a souvent des trucs comme ça. Et le dernier petit goodies, c'est un portfolio miniature. Où on peut contenir des petites cartes. C'est très sympa, hein, ça peut servir de petites porte-cartes aussi personnelles. Dommage qu'il n'y ait pas le format carte d'identité, parce que en gros, voilà, tu mets toutes tes petites cartes fidélité dedans, ça peut être sympa. Ou évidemment, des vraies cartes Pokémon, si vous préférez. Mais bon, je pense que c'est peut-être plus intéressant de se servir comme petit portefeuille. Parce qu'en fait, je vois pas trop ce qu'on peut mettre dedans, en fait. Si des cartes, vous avez des grosses cartes, que vous avez des gros coups de cœur, pourquoi pas, pour les avoir en première main et vous regarder comme ça. Ça reste sympa, hein. Mais c'est vrai que quand tu collectionnes, t'aimes bien avoir les gros classeurs pour mettre toute la collection dedans. Et il reste vraiment très sympa. Donc voilà ce qu'il y avait le petit contenu, hein. Fort sympathique, très joli. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour les boosters, hein. Je sais que si, hein. Si vous avez cliqué, il y en a beaucoup qui sont pour ouvrir les boosters. Mais je vous en remercie si vous avez regardé toute la vidéo pour voir un peu le contenu et voilà, me faire plaisir. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir un peu ce que je fais sur ma chaîne autre, bah je parle de mes cosplays que je fais. Par exemple... dernièrement, j'ai parlé du magicien Tineb que j'ai fait. J'ai parlé un peu de Montaignon aussi. Je parle un peu de cosplay en général. Je parle aussi un peu de manga de temps en temps. Et je suis pas une chaîne ultra active. Hein. Je publie des vidéos quand l'occasion, c'est vraiment un petit loisir, une petite passion. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, allez-y. Si vous voulez vous abonner pour suivre toutes les vidéos parce que ça vous a plu, allez-y. Like, commentaire, faites ce que vous voulez. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.